Eh bien, salut à tous, c'est Spiné353. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter mon second Battle Actu sur ma chaîne. Je vais vous présenter le DLC Naval Strike dans cette vidéo. Nous allons parler grosso modo du nouveau mode de jeu, des 4 nouvelles maps, des 5 nouvelles armes, des 2 nouveaux gadgets et enfin les 2 nouveaux véhicules dans cette vidéo. Commençons tout d'abord par le nouveau mode de jeu de ce DLC qui se nomme Carrière Assaut ou Assaut Porte-Avions en français pour le moment, comme le jeu n'est toujours pas sorti. Alors, ce nouveau mode de jeu vous permettra de revivre le fameux mode classique Titan de Battlefield 2042. D'ailleurs, vous avez des vidéos sur ma chaîne. Petit placement de pub. Alors, c'est un mélange entre la conquête et la ruée, si puis-je dire. Alors, après, d'après mes infos, il y aura entre 3 et 5 drapeaux à capturer, suivant si c'est une petite ou une grande carte. Ensuite, dans un premier temps, vous devrez capturer les drapeaux pour pouvoir accéder au bateau. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois l'accès au bateau, vous devrez armer 2 MCOM, sans que l'ennemi les désarme, bien entendu. Et enfin, mais là par contre, c'est à prendre avec beaucoup de précautions, car moi, personnellement, je ne les ai pas vus dans les vidéos. Une fois les 2 MCOM détruits, vous aurez donc accès au moteur du bateau que vous devrez détruire pour remporter la manche. Un peu, tout simplement, comme le fameux mode Titan de BF 2142 que je fais sur ma chaîne. C'est à peu près le même principe, sauf que c'est sur des bateaux au lieu que c'est vraiment sur des Titans, des gros vaisseaux qui planent au-dessus de votre tête. Ensuite, dans ce DLC, vous aurez 11 nouvelles missions. Ensuite, vous aurez donc 4 nouvelles maps exclusivement dédiées à ce DLC, qui sont Lost Island, Nasha Strike, Wave Breaker et Opération Mortar. Ensuite, vous aurez accès à 5 nouvelles armes, qui sont l'AR-160, le SR-2, l'AWS, le SR-338 et le SW-40. Vous pourrez voir en arrière-plan quelques petites images de toutes ces nouvelles armes et de toutes ces nouvelles cartes. Deux nouveaux gadgets font leur apparition grâce à ce DLC. En premier, nous avons le M323GL, drôle de nom. Le nouveau gadget M323GL permet de tirer 3 grenades sans avoir à recharger. Expédiant des explosifs de taille réduite, le 3GL sera parfait pour les couloirs étroits, mais il réclamera en revanche des tirs plus précis. Voilà la description que j'ai eue sur le net de ce gadget un peu cheaté, doit-on le dire. Ce sera parfait sûrement pour Métro. J'imagine, peut-être même pour le couloir de la mort ou même pour Opération Véro. Ensuite, nous avons la AA Mine, une arme anti-aérienne que vous avez dû sûrement pas mal entendre parler autour de vous. C'est une arme donc anti-aérienne basse altitude avec une antenne radar vraiment toute automatique qui sera dans la classe ingénieur. Alors, par contre, elle ne tuera pas du premier coup, mais elle fera vraiment très mal. Alors, c'est une arme vraiment un peu cheatée, comme on peut le dire, comme la M323GL, sauf que la AA Mine, c'est vraiment tout automatique. Dès qu'elle cible, par exemple, un avion ou un hélicoptère, elle tire automatiquement, sans que vous ayez besoin de vous de verrouiller. C'est vraiment tout automatique. Enfin, grâce à ce DLC, vous aurez 2 nouveaux véhicules. Alors, le premier, c'est l'Amphibious Hovercraft, ou tout simplement en français, aéroglisseur. Alors, cet aéroglisseur est à la fois utilisable sur l'eau et sur la terre. Alors, c'est quelque chose de vraiment fun à utiliser. J'ai pu voir quelques vidéos. Alors, pour tout vous dire, j'en ai vu que 2 ou 3 pour me garder un peu le suspense. Mais avoir cet aéroglisseur, ça a l'air d'être vraiment fun. Ensuite, vous avez comme nouveau véhicule ou comme nouveau canon, c'est le Old Canon, un vieux canon qui a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a une cadence très faible, mais par contre, il fera de très gros dégâts. Alors après, d'après mes infos, il sera présent sur la carte Opération Mortar. Et enfin, pour finir avec les nouveautés de ce DLC,
Naval Strike amène aussi d'autres changements plus généraux, comme par exemple le temps pour armer et désarmer les objectifs a été légèrement prolongé dans le mode oblitération. Ensuite, les hélicoptères ont été repensés pour ne plus être aussi faibles qu'avant et permettre aux pilotes de rester tout simplement plus facilement en vie, ainsi que détruire les véhicules au javelin ne sera plus aussi accessible qu'avant. Et enfin, pour terminer ce Battle Octu numéro 2, je vais vous donner les dates de disponibilité de ce DLC Naval Strike pour Battlefield 4. Donc Naval Strike sera disponible pour les premiums ce mardi 25 mars 2014. Et pour les personnes qui ne sont pas premium sur Battlefield 4, ça sera disponible le 8 avril 2014. Et bien voilà, on arrive déjà au terme de cette vidéo, de ce Battle Actu numéro 2. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Moi, ça me plaît énormément de réunir autant d'informations dans une seule vidéo. Alors, je suis peut-être pas parfait, je n'hésiterai pas à vous le dire. Hein. J'ai peut-être oublié des informations, n'oubliez pas de le faire partager dans l'espace commentaire. N'oubliez pas aussi de me dire un maximum si vous aimez ce Battle Actu. Moi, comme je viens de vous le dire, j'aime bien vous réunir plein d'informations, c'est vraiment géant. Moi, en même temps que vous, j'en apprends énormément. En plus, en moins de 10 minutes, vous apprenez énormément de choses dans ce DLC. Enfin, pour ce DLC, en tout cas. Il y a pas mal d'informations. Vous apprenez par exemple qu'il y aura plein de trucs cheatés. Il y a le super aéroglisseur et que vous aurez le fameux mode titan. Ça, c'est vraiment géant. Je pense que je ferai pas mal de vidéos. En tout cas, ça m'a vraiment bien plu. N'hésitez pas à me le faire partager dans l'espace commentaire, à laisser un petit j'aime, à partager la vidéo pour qu'elle soit un max vue, un million de fois vue. Non, je déconne. Je me relâche un tout petit peu à la fin de la vidéo. Ça fait du bien. Bref. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur ma chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao à tous. Ciao, ciao.